La gratuité des soins médicaux en France est un droit inaliénable obtenu de haute lutte par le sang de nos aînés. Aussi, qu'en est-il de ceux qui profitent de ces acquis sociaux sans pour autant ne jamais cotiser aux caisses, soi-disant parce que sans ressources ou de passage sur les terrains vagues de nos belles communes françaises? Où sont-ils, ces valeureux infirmiers et médecins, face à l'agonie solitaire de ce jeune Jérémy, qui voit son espérance de vie diminuer d'heure en heure? Où sont-ils? Indisponibles, certainement préoccupés à soigner quelques ressortissants étrangers. Bonjour, je suis Patrick de Framier et je serai votre guide dans cette extraordinaire aventure qu'est le sauvetage et la préservation de la vie humaine. Dans ce nouveau numéro, il ne va pas être question de sauvetage de chatons, de frottis hasardeux ou encore d'hydrocution malheureuse, mais bien de la force et de la détermination d'une petite poignée d'ouvriers du bâtiment qui ont redéfini à eux seuls le sens propre du mot héroïsme. C'est leur histoire qui va vous être contée ce soir dans ce nouveau numéro des Rescapés de l'impossible. Nous sommes le vendredi 6 avril 1994 à Suresnes, agglomération située à une quinzaine de kilomètres de Paris, sur le chantier de la maison d'une jeune famille fraîchement débarquée de la région lyonnaise. Tout le monde s'active afin de pouvoir accueillir la famille Cassado. Les travaux avancent bien et la journée touche bientôt à sa fin. Jean-Pierre Menot, jeune contremaître de 35 ans, est très enthousiaste suite à l'obtention de son nouveau poste et il ne loupe jamais une occasion de prêter main forte à ses collègues. Moi, Jean-Pierre, moi, ça faisait plus de 2 ans hein, qu'il était au chômage. Hein. Donc, quand il a trouvé son poste de contremaître, je peux vous dire que d'un point de vue logistique, c'était très intéressant parce qu'on était un peu ric-rac. Hein. Et puis, au moins, ça pouvait enchaîner sur d'autres missions, donc ça, c'était intéressant. Jean-Pierre, c'est vraiment un mec en or. Hein. Un gars sérieux, travailleur. On les connaît, hein, les tirs au flanc qui vont passer les coups de fil quand le boulot il commence à tomber. Jean-Pierre, attention, c'était pas ça. Jean-Pierre, il bossait tout le temps. À fond, à fond, à fond, à fond. Jean-Pierre annonce une fin de journée bien méritée à son équipe. Fin de journée ! Moi, je l'ai apprécié tout de suite. Et le reste des gars de l'équipe, je pense que c'est pareil. Hein. À chaque fin de semaine, la tradition veut qu'un petit apéritif décontractant soit offert par la direction à l'ensemble des employés afin de fêter l'avancement des travaux et le respect des délais. Attentif à ne pas déroger à la règle et soucieux de s'intégrer à l'équipe, Jean-Pierre prépare lui-même ce moment de convivialité très important à ses yeux. Santé ! Alors, hein ? Ah, merci beaucoup ! Avec Jean-Pierre et les enfants, on avait tout préparé, donc les pizzas, la salade, le taboulé. Alors, Magali, c'est la plus grande, alors elle est très semoule, donc elle avait bien malaxé, vraiment, elle pourrait malaxer pendant des heures, Magali. L'apéritif se déroule à merveille. Les grillades et le délicieux taboulé des enfants de Jean-Pierre conquièrent l'ensemble des ouvriers du chantier par leur saveur et leur authenticité inimitable. La bonne humeur et la camaraderie sont au rendez-vous et ses collègues ne vont pas tarder à le considérer comme l'un des leurs. Mais un petit détail va venir perturber le bon déroulement des choses. La vérité, c'est que Jean-Pierre avait perdu son ancien travail à cause de son problème de boisson. Et puis bon, de toute façon, être bourré dès la première semaine de travail, ça non. Jean-Pierre, il n'était pas pour, de toute façon, ça ferait plutôt mauvais genre, donc non. Néanmoins, soucieux de s'intégrer, Jean-Pierre va tenter de cacher son passé d'ancien alcoolique à ses collègues en mettant en place un judicieux stratagème qui avait déjà fait ses preuves par le passé. Ce qu'il faisait, c'est qu'il vidait discrètement ses verres partout. Alors, qui par terre, qui sous la table, enfin, qui de droit. Jean-Pierre, il n'en a pas l'air, mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Il est toujours en train d'avoir une réflexion sur les choses, une idée, tiens, si on faisait ça, et tiens, on est dimanche matin, tiens, si on sortait. Et donc, il racontait qu'il devait aller aux toilettes. Alors, il disait, oui, je vais aux toilettes, je reviens.
Alors que pas du tout, il n'allait pas du tout de flûte. Il se versait au final tout l'alcool. Alors bon, eh ben, ça pouvait être du rhum, du Jet 27, de la vodka, enfin, tout ce qui lui passait par la main. Bon, ben, il s'aspergeait de tous les habits au final. Mais tout ça, attention, hein, juste pour faire illusion. Voilà, parce que bon, pourquoi il a fait ça? C'était pour donner bonne impression, non? Qu'est-ce qu'il voulait, Jean-Pierre? Lui, il voulait s'intégrer, c'est tout. Cette ruse ingénieuse va lui assurer une réputation de gros buveur au sein du groupe et gagner par la suite la sympathie de ses collègues. Oui, on avait bu. Oui. Mais normalement. Ce soir-là, on fêtait rien. Puis, c'est quand même un chantier à 4 millions. Donc, échafaudage, il y a le matos, tout ça. Et plein de trucs dangereux. Hein. Mais alors que la fête bat son plein, Jean-Pierre va faire une plaisanterie de trop. Alors qu'il fait le pari stupide de pouvoir enflammer une flatulence à l'aide d'un poste de soudure à l'arc, l'impensable se produit. Ouais, j'avais remarqué qu'il avait une bonne descente. Hein. De là à prendre feu en lâchant une caisse, c'était impressionnant. Ivre, mais désirant lui porter secours, ses collègues tentent désespérément d'éteindre le brasier qui consume minute après minute le bleu de travail flambant neuf de Jean-Pierre Menot. Mais celui-ci, tel une mèche de lampe à pétrole, est imbibé d'alcool et les chances que le feu s'éteigne de lui-même sont quasiment inexistantes. Le seul téléphone, il est dans la cave. Hein ? Et les clés de la cave, bah, c'est Jean-Pierre qui les a dans sa poche. Donc déjà là, pas mal quoi. Les autres, ils sont tous hypnotisés comme des fourmis volantes là, ou des moustiques autour d'une ampoule. Du coup, comme je suis assez physique, je me suis dit là, mon Claudius, c'est pour toi quoi. Hein. Tac, j'ai fendu l'air en direction de la route, et voilà, pour courir chercher les secours. Pris de panique, Claude tente désespérément d'arrêter les voitures, mais ses tentatives ne font qu'empirer la situation. L'esprit occupé par le tragique destin qui attend Jean-Pierre, il oublie de porter son gilet fluo. Accident bête, quoi. Ouais, je courais trop vite, hein. Donc la nana, elle m'a pas vu, hein. J'étais déjà sur la route. Elle a dû se dire que... Voilà, trois tours de capot. À l'envers. Projeté sur 15 mètres ou je sais pas combien. Pff. L'horreur. La clavicule. Désormais, Claude rejoint Jean-Pierre au compteur des personnes en danger de mort. Toujours en prise avec les flammes, Jean-Pierre se retrouve face à un nouveau dilemme. Où a-t-il bien pu ranger l'extincteur rendu obligatoire sur les chantiers selon l'article R4227-39 du Code du travail, voté le 5 janvier 1983? Dans un dernier effort désespéré, son collègue Piotr prend son élan et défonce la porte pour lui faciliter l'accès. Une fois sorti de la cave, je me suis dit qu'il fallait un truc plus sec que le ricard ou la bière pour l'éteindre. Bah, du coup, j'ai essayé le premier truc solide qu'il y avait sur la table, hein, le taboulé. La température de son corps atteint à présent les 600 degrés et son épiderme tout entier commence à fusionner avec les fibres de ses vêtements. Piotr, malgré son alcoolémie record, décide de prendre le volant de la fourgonnette et d'emmener Jean-Pierre à l'hôpital. Un malheur n'arrivant jamais seul, Piotr perd le contrôle du véhicule qui vient percuter violemment un lampadaire. Il décide de continuer à pied. Miraculeusement, le lampadaire est justement situé devant l'hôpital Roger Hanin. Son état s'était déjà extrêmement aggravé lorsqu'il a été admis. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ce pauvre gars, mais il a été sérieusement roulé dans la semoule. Aidez Jean-Pierre! Non, j'en ai pas ce que vous dites! Vous avez mal où? Respirez, respirez. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Vous avez des allergies? Qu'est-ce que vous avez mangé, monsieur? Je comprends rien à ce que vous dites. Calmez-vous. Ça va passer. Ils sont tous. Calmez-vous, monsieur. Je pense que c'est une brûlure. C'est mon mari. Il est où, mon mari? C'est celui qui a pris le feu, là. Quand les docteurs ils m'ont parlé de greffe de la peau, je me suis dit, mon Jean-Pierre, avec son groupe sanguin, c'est foutu. Et puis, il vient de la DAS, hein, Jean-Pierre. Il n'a pas eu une vie facile. Hein. Donc, pour trouver une famille compatible... On était à l'hôpital, on allait réconforter Claude pour son bras cassé. Et là, on a vu le chirurgien de Jean-Pierre, qui nous a parlé de la greffe. Quand j'ai vu les résultats d'analyse, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, Piotr. Non, c'était la dernière personne à qui j'aurais pensé pour être compatible. En même temps, c'est vrai que Jean-Pierre, avec des gènes polonais, ça pourrait expliquer son problème de... Corinne, elle a été incroyable. Incroyable. Ah, parce que, bon... Pas facile à convaincre, hein, Piotr, là. En même temps, normal, hein. C'est le coup de la peau du cul, hein. C'est le... Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas... C'est de la peau humaine, quoi. C'est pas des pins ou des jambes de bagnole, hein, quoi. Qu'on lui demandait, quoi. Kiedy lekarz powiedział mi, quand le docteur m'a annoncé que j'étais le seul donneur compatible, j'avoue que j'ai pas hésité une seule seconde. Bah pour Jean-Pierre, j'aurais vendu mes enfants. Mais bon, j'en avais plus sous la main après avoir payé mon voyage en France. Nie zostało mi już żadne, bo musiałem opłacić bilet do Francji, no. Attention, c'est chaud. Jean-Pierre a pu bénéficier d'une greffe de peau qui couvre actuellement 80% de son corps. C'est vrai que c'est un petit peu le seul avantage, quoi. Mais attention, je vais te couper. Mais arrête. Oh, hey, Magali, arrête de crier sur ta sœur, hein. C'est fou, ça. Jean-Pierre est dla mnie jak brat. Tak w ogóle to tu. Jean-Pierre, c'est comme un frère pour moi. Je m'étais fait tatouer ma mère avant qu'elle meure en me mettant au monde. Alors, qu'elle soit maintenant sur le corps de Jean-Pierre, ça me donne le sentiment que toute la famille est réunie. C'est comme si ma famille était de nouveau. Après plus de 2 ans passés à l'hôpital, Jean-Pierre a retrouvé son foyer au grand bonheur de sa femme et de ses enfants adorés, qui ne loupent jamais une occasion de jouer avec lui. Mais non, mais tu sais pas faire. Mais laisse-moi. Oh, laisse ta sœur tranquille. Toi aussi, un jour, t'as appris à éplucher des carottes. Hein, maintenant, c'est ta sœur qui apprend à éplucher des carottes. Voilà, il en reste encore un peu, là. Aujourd'hui, Jean-Pierre Menoux a repris son travail et il organise toujours des barbecues en fin de semaine en compagnie de ses anciens collègues. Oh, oh doucement les filles. Petit, on n'a pas trop de Oui, allez, la bonne tienne. Ouais, finalement, tout est bien, ça finit bien, quoi, comme on dit. Parce que Jean-Pierre s'en est sorti, moi j'ai eu seulement 2 côtes cassées. On a eu une sacrée chance, hein. Quand j'y repense... Ça aurait pu vraiment... Pour moi aussi, il y a eu un avant et un après l'accident. Après ce qui lui est arrivé, je me suis renseigné sur les statistiques. Et vous saviez que la plupart des accidents de barbecue avaient lieu pendant des travaux de rénovation. Et plus de 70% d'entre eux le samedi après-midi spécifiquement. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas conjuguer ma passion pour le bricolage et mes connaissances du judaïsme afin d'offrir à la population juive pratiquante une toute nouvelle gamme d'outils fonctionnels reliés au tzitzit et des téfilines graduées pour prendre des mesures à tout moment de la journée. Une façon innovante d'effectuer les petits travaux de tous les jours tout en conservant la tenue traditionnelle. Mais je vous ai dit 50 fois de ne pas lui donner à manger. Papa ne peut pas avaler. Malheureusement, la médiatisation de l'accident dans le village a mis au jour les irrégularités de la situation de Piotr. Et celui-ci s'est vu obligé par la police de regagner sa belle Pologne natale. Il y
Je suis bien content que Jean-Pierre ait survécu à ses blessures. Vous savez, c'est le premier Français à m'avoir donné du boulot, alors, au fond, je ne lui en veux pas d'être responsable de mon expulsion. Ah, je suis bien mieux ici à contribuer à l'économie de mon pays, plutôt qu'à prendre un poste qu'un Français de souche pourrait occuper. Au secours, éteignez-moi, je suis en feu! Grâce au profond respect de ses collègues et à l'amour sans faille que lui porte son épouse, Jean-Pierre peut désormais voir l'avenir sous un jour radieux. Et ce n'est pas de sitôt qu'il oubliera celui qui lui a permis de faire peau neuve. À Piotr! À Piotr! Reste dans rien! Reste dans rien! Tu sais quoi, quoi? Une bien belle histoire que celle de Jean-Pierre qui nous fait penser à ce très juste adage. Mon corps est mon pays et ma peau est ma frontière. Qui nous fait penser également que nous sommes tous égaux face à la mort et à l'adversité. À part bien entendu les juifs francs-maçons qui, comme chacun sait, boivent du sang de bébés chrétiens au clair de lune pour devenir immortels. Voilà, ce numéro des Rescapés de l'impossible est désormais terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, prenez garde.